dois prendre mon chien Mauritien Tekounou, soit à la radio, soit sur Internet. Nous pouvons causer aujourd'hui, après avoir vécu une semaine terrible pour le Maurice. C'est nous l'opinion que le pays est en grave danger. Mais ce qui est pire, c'est que tout ceci est totalement à prévoir. Je peux vivre le drame qu'il me vit aujourd'hui dans nos pays par la faute de ce gouvernement. À maintes reprises, depuis le début de l'année, l'opposition fait une warning au gouvernement. Nous faisons mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Nous faisons dire la situation terrible, dramatique, que une famille mauricienne peut vivre à cause de l'augmentation des prix, à cause de la difficulté de vivre. Nous avons un problème d'île, nous avons un problème d'inondation, nous avons un problème de prix. Nous avons un scandale qui vient de passer depuis quelques temps, tout ceci en même temps. Je fais une délire ici même dans la conférence de presse au suffrage. Je fais une délire aussi surtout au Parlement. Moi personnellement, je fais une pause 4 PMQ. Un lot gaspillage, corruption, se place gay. 380 millions de roupies. Vous êtes dans du lot dans votre port. Je fais une cause corruption. L'autre PMQ, tu l'as pris. Qui ministre des Finances pour faire pour soulager fort demain de ménage avec l'augmentation brutale des prix. Qui les répond nous? Ils répondent comme ça, Québec, tel, qui ça? Je me pose ma question, ça vient, l'inflation 5%. Menti! L'inflation jusqu'à 3 fois plus que ce qui est ministre des Finances, il admet dans le problème. Même cause menti. Et dans nos causes de dépréciation, la roupie, c'est menti. Il n'y a aucune pénurie de devises. Le lendemain, la Banque mondiale, la Banque de Maurice, met 8 milliards de roupies dans le compte de la banque commerciale pour qu'il justement pallier à pénurie de dollars. Je viens de demander de faire un mini-budget. Je viens de réviser. La semaine dernière, au début de la semaine, là, mardi, je viens de cause l'augmentation brutale de mon médicament à l'île Maurice. C'était la brise même des temps. Même bon Dieu fait en colère. Et je me suis trouvé aussi qu'il nous n'est pas allemand. Cadenassé, un parlement bafoué, un parlement qui tout faire pour que l'opposition soit pas capable de gagner cela. Tout faire pour empêcher nous causer, pour empêcher nous amener le problème du pays au devant de la scène, devant la famille. Et c'est ça le prix à payer quand on bafoue la démocratie. T'as l'air d'une longue renvoie élection municipale. Quand on bafoue la démocratie parlementaire. On renvoie l'élection municipale. C'est bafouer la démocratie. On invite la rue à manifester. On invite la rue à manifester parce qu'il peut faire tous les autres affaires dans l'impasse. Si vous avez des qui arrivent. Pas de gagner droit et vous êtes un baiser dans le Parlement. Nous pas de gagner droit exprimer nous la voix dans l'élection municipale. Mais nous faisons un baiser pour trop. Nous pas souhaiter ça. Mais nous dire que c'est la faute du gouvernement. Qui s'est perdu. Et donc, au Parlement aussi, nous trouvons un ministre qui mentait. Et là, voilà, moi, une page de une lettre, c'est la fameuse lettre qui, quand dans PNQ de mardi, le ministre Kalichun vient dire à trois reprises qu'il n'y pas rappel qu'il date les fins d'envoyer une lettre, ministre Ganou, pour demander l'est parallèle. Importation parallèle à l'île Maurice. Il va rappeler. Mais de nous prêts aujourd'hui que la lettre c'était le même jour. Un cas clair avec évidence que ministre Kalichun il vient mentir sans pudeur au Parlement. Mais qui valait un Parlement? Qui valait vous poser une question parlementaire si vous interlocuteur pour mentir impunément? Un autre pays, sa ministre a démissionné sur le champ. À nous guetter ici, qui vont arriver. Des claires preuves à l'appui que le ministre Kalichun il vient mentir au Parlement. Peu importe qu'il ait menti dans les affaires qu'il a fait, le fait même de mentir, c'est punissable dans le système démocratique. Donc, le gouvernement a une mauvaise priorité. Tout a été
dépenses d'un bâtiment. Tout qui a été dépenses d'un gaspillage. Aujourd'hui même, il annonce nouveau qui a été bâtiment. Les Fright and Center. Alors qu'il dit que les gens cassent pour soulager le problème. Pour soulager les difficultés. C'est ça qui priorité gouvernement a été. Non, avoir un projet farfelu. Non, à gaspillage, donc au Spassgate, nous pouvons un hélicoptère, 1 milliard pour puis mettre dormi dans Plaisance, nous pouvons une situation de gaspillage à droite et à gauche. Comment me dire, priorité suffisante pour aider la population. Ce qu'elle n'est pas fait, prend aucune mesure adéquate financière pour parer à l'augmentation. L'opposition liée avec le peuple. Nous à l'écoute de la population. Et nous messages au gouvernement, nous peinons solution avec les parquets aller. Nous peinons solution les parquets aller. Et c'est pour cela qu'en accord avec tout mon partenaire de l'entente de l'espoir, une cause aussi avec le Paris Travail, qui nous propose, qui moi nous propose, nous présente. Une motion of no confidence dans le gouvernement. Dès ce mardi, je vous présente mon motion. Bien sûr, vous avez une motion là, le gouvernement et non, et moi. Nous espérons qu'il y fait par cette motion là rapidement pour qu'il nous capable de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. C'est-à-dire, soit on amène une solution. Soit ou les parquets ou aller, de préférence, les parquets aller, parce qu'ils nous connaissent une peinante solution. Aujourd'hui, on fait l'appel aussi pour ne pas communaliser ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, c'est les émeutes de la faim, FAIM. Capable, émeutes de la faim aussi, FIN. Mais ce qui est arrivé, c'est les émeutes de la faim. Ce n'est pas une vente vide qui peut faire du monde manifester. Pas communalise le débat. Donc, motion of no confidence, on peut dire en toute sérénité, pour présenter mardi, pour faire un débat rapidement, et tout ban parlementaire pour gagner l'occasion exprimer sur le fait que sa gouvernement a fini total faillite. Maintenant, plaisir de m'en appeler de parler. Merci, Xavier. Et moi, Xavier, vous êtes tout, ici présent, dans le journaliste et pas l'internaute. Nous pouvons vivre, un moment dramatique et dangereux. Moi, je dis ça avec une certaine émotion. Parce qu'il est vrai que nous pouvons vivre un moment dramatique et dangereux. Pas la faute du gouvernement avant tout. Il y a une exaspération, un ras-le-bol généralisé dans le pays. Et cette exaspération-là, ce ras-le-bol généralisé dans le pays, ce n'est pas la faute du gouvernement. Et comme vous aviez fait dire, pas si vite prévenir le gouvernement, voir le gouvernement, nous prévenir le gouvernement, nous voir le gouvernement. Nous n'arrivons que nous n'arrivons aujourd'hui, dramatique. Et dangereux. Nous n'arrivons là à cause d'incompétence gouvernement. Avant tout. Gouverner, c'est prévoir. Vous êtes prévoir le pire, vous êtes prévoir qui prix c'est. Si prix c'est d'abord augmenter l'hôtel tel marché. Mais, au lieu de faire ça, il bagole tout le monde réserve. Il fait tous les contraires à quel gouvernement qui connaît gouverner, si vous êtes faire. Mais on connaît aussi qui c'est qui révolte. C'est les contrastes. Comparaison entre sa base qui gouverne, qui les pètes pessariers et Madjakar au gouvernement. Si vous ne révoltez pas ce contraste-là, coquin plus qu'ils aiment, voyager plus qu'ils aiment, Dubaï, mais si vous ne révoltez un côté, il peut vivre ce qu'il peut vivre. L'autre côté, il compare avec causer et façon faire de gouvernement. La faute totalement au gouvernement. Ça ras-le-bol généralisé là, il justifiait
nous comprenons sa population-là et nous faisons un gouvernement depuis une bonne époque. Nous n'arrivons pas à tenir. Moi, je dirais même la police. Dis-toi que ce gouvernement-là nous fait à la police ces dernières années, ces derniers temps. Énorme. Au moins, à ce là il y a une... Jamais il y en a avant, un commissaire de police trahir. Au moins, le commissaire de police, il confirme, mais il y a une responsabilité devant le pouvoir constitutionnel. Faire un devoir vis-à-vis de ce pays-là. Pas peur. Faire un devoir. Surtout pas de violence policière. Dans aucun cas, pas de violence policière. Et deuxièmement, pas de provocation policière aussi. Pas besoin d'arrêter, du monde qui n'a pas besoin d'arrêter. Pas besoin de brutaliser, du monde qui n'a pas besoin de brutaliser, jamais besoin de brutaliser. Nous comptons de nouveau titulariser commissaire de police, parce que la situation est bien, bien dangereuse que nous n'avons. Troisièmement, mon réponse est qu'ils avaient fait dire, nous devons faire barrage aux communalistes. Déjà là, il y a certains qui disent, nous connaissons qui c'est un nom, mais nous pas pour nous aujourd'hui. Nous connaissons qui c'est un nom, essayer de donner une couleur communale à sa bonne manifestation de la fête, comme dit Xavier, essayer de communaliser. Vous faites l'appel à tout bon jeune de ce pays-là avant tout. Mais à du monde de toutes les communautés, nous faire barrage aux communalistes, pas permettre certains du monde communalisent le problème qui nous peut connaître, qui nous peut traverser. Troisième point, qui me tient content, quatrième point, pardon, c'est évidemment, nous donner l'appui total, nous mettre la tête ensemble, les quatre parties de l'espoir, et nous donner l'appui total au leader de l'opposition qui fait présente une motion of no confidence dans le gouvernement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qui nous présente, mais pas capable de continuer comme ça. Une motion of no confidence dans le gouvernement quand nous arrivons pleinement justifiés. Nous accordons l'appui total au leader de l'opposition et au Parlement, les êtes tout le monde qui a à cœur un intérêt supérieur du pays à de l'avant avec une motion of no confidence dans le gouvernement quand nous arrivons. De nos côtés, en même temps qu'il peut présenter une motion of no confidence, nous pourrons prendre une réunion à l'écoute de la population, mais aussi pour cause avec la population, qui a dit ce qu'elle nous a dit. Donc, nous avons une série de rencontres sur le terrain. Comment on aurait dit ça, limite 50, pas car il y en a plus que 50, du monde là. Mais c'est une entrave terrible à la démocratie. Difficile pour travailler devant ces circonstances. Mais malgré ça, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons démarrer dans la circonscription du Premier ministre même, à Saint-Pierre, mon ramadan terminé, le 6, me confirme, le 6, juste après ramadan. Ensuite, nous parlons au numéro 6, pardon, nous parlons plein de Mayans, dans le sud. Après l'est, nous parlons dans le sud. Après, nous parlons fond du sac, dans le nord, le 19, le 20, nous pourrions faire sa réunion pour lui, qui avec le renvoi de bande municipale, nous pourrions faire la suite de sa rencontre de l'espoir au bande municipale. Donc le 20, nous pourrions faire sa réunion des quatre parties pour, avec tout bon dirigeant pour Paul lui. Et le 27, nous parlons dans le sud à Chemin Grigny. Et nous pourrions continuer. Nous pourrions continuer à faire le tour, nous pas pour néglige aucune région. On invite la population, viens causer, viens exprimer nous, viens dire à nous ce qu'ils ont envie de dire à nous. Nous à l'écoute, mais nous aussi au dialogue, nous ayons beaucoup quelque chose à dire à la population. Dans l'intervalle, au Parlement, vous aviez fait dire, une bonne raison qui nous fait tout, ce qui nous fait trouver, c'est que la démocratie peut étouffer. Mais la démocratie peut étouffer avant tout au Parlement. Le speaker avec la majorité qu'ils ont là, pire qu'ils amènent. Vous demandez à la population de comprendre sa manière qui le speaker
traite le leader de l'opposition, traite l'opposition en général, dit sans précédent. Et la population, vous avez compris, qu'il est exaspérant, difficile pour rester quand on a un speaker qui est comportement leader. Il est exaspérant, il est révoltant. Mais nous pouvons continuer notre présence au Parlement malgré ça, tant qu'il nous est capable, surtout dans sa crise qui nous fait vivre là, peut-être un Parlement qui vraiment fonctionnait, un speaker qui vraiment un speaker, qui est capable d'être là, je veux dire, et vite, ce qui nous fait vivre dans un moment dramatique et dangereux du monde. Merci. Bonjour, mes camarades de la presse, merci pour votre présence et pour saluer tout le monde du monde. Et écoute-nous et surtout faites-nous l'internet parce qu'avec tout le dernier événement qui finit là, flambé de violence, tout le monde pense que la diaspora est passée dans le pays et aussi tout le monde qui compte en les Maurice qui observe les événements. Quand il y a la émeute dans le passé, il finit faire beaucoup, beaucoup du tout à l'image du pays. Nous tenons l'image d'un pays stable, côté de l'harmonie, côté de la paix. Là, aujourd'hui, le pays peut flamber. Je viens de dire qu'aujourd'hui, en ce moment même, il y a des gens qui viennent descendre dans la rue, qui peuvent brûler le matelas, qui peuvent brûler le carotchou. Nous viens de dire qu'à Stella, en ce moment, il y a dans Rochebois, il y a dans Paille, dans une cité pas loin, il y a dans Petit Tombeau. Qui fait qu'il arrive ça? Mon bon camarade fait une cause lui. C'est un gouvernement qui est coupé de la réalité. C'est un premier ministre qui fait trahir la confiance des peuples. Qui n'a pas fait comprendre la souffrance, qui peut mettre un fardeau que les peuples n'ont pas fait capable de supporter. Coup de massue, le coup de massue. La cause qui nous donne la situation là aujourd'hui. Massif ban du monde qui est là, qui fait gagner moins de 10 000 roupies, beaucoup de monde dans sa situation là. Massif ban du monde qui fait tous salaire minimum, 200 000 pensionnés avec 9 000 roupies, qui n'est pas capable de joindre des gouttes, qui est là dans une famille, qui mange un repas par jour. Donc c'est un gouvernement qui fait une trahie, confiance, qui les peuples finissent donner, et qui aujourd'hui, le gouvernement là, finit tellement cause menti. Le ban chiffre. Chiffre Covid, l'économie, valeur roupie, chômage. Et aujourd'hui, quand les gouvernements expliquent aussi, les peuples pas pour parler. Et nous avons un premier ministre donc qui finit fait. Nous avons un problème de leadership à la tête du pays, au niveau de la police. Une démocratie, comme ma camarade Paul Béranger finit de dire, qui est bafoué tous les mardis. Alors dans cette situation-là, sa motion de non-confidence qui nous fait soutenir là, il arrive à un bon moment, sa gouvernement là, visant à l'État. Sa premier ministre qui fin fait comme premier ministre au niveau du leadership à la tête du pays, visant à l'État. Nous faisons l'appel, parce que nous, la paix sociale, une des nouvelles plus grandes richesses qui nous est là. Nous faisons l'appel justement pour qu'il y ait un dérapage, qu'il y ait une provocation. Nous faisons l'appel pour qu'il pour dire du monde que la solution, c'est la solidarité. Et la solidarité, nous sommes là avec la plateforme de l'espoir, nous solidaires. Et toute une réunion qui nous peut faire, c'est une réunion de soutien, c'est une réunion de rencontre, d'écoute. Et nous demande qu'il y ait là une solution immédiate, pas capable d'attendre vite. N'a pas capable d'attendre vite, viser une solution immédiate et capable de prendre une solution immédiate et surtout une qui au bas de l'échelle. C'est ça que nous pouvons demander. Et l'espoir pour à travers le pays, justement pour faire pression pour qu'il y ait là une mesure immédiate. Nous pas capable, comment me dire, d'attendre le budget. L'appel, c'est que la paix sociale, c'est pour l'île Maurice, pour nous tous, il ne faut pas qu'il y ait un bon dérapage. Nous avons une vieille de vidéo que ma camarade Paul Béranger, comme ma camarade Zardif Indiali, qui est circulé. Et nous connaissons dans le passé, puis nous avons une provocation. Il y a des gens qui peuvent sortir d'un endroit, qui peuvent aller dans un autre endroit, qui peuvent dire comme ça, qui
ben n'a pas descendu. Est-il prévenu? Ça, il ne faudrait pas qu'il y ait Nali et qui nous demande donc un appel au calme parce que nous soutenir, nous comprendre la souffrance de la population et avec l'espoir, nous résistement montrer sa solidarité là. Dernière question qui me tient content de dire, c'est qu'il y a une réunion qui peut faire à travers le pays, nous pouvons faire lire ensemble. Dommage, comment mon camarade Paul Béranger vient d'y qui est dans 6-5 ans, si nous n'avons pas venu. De mon côté, je peux faire une réunion au niveau du rassemblement mauricien. Camarade Roche Badin peut faire, PMSD aussi peut faire, MMM aussi peut faire. Nous pouvons continuer et nous pouvons soutenir nous pour la, en solidarité avec la population. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis de la presse et tout mon camarade qui fait quelques jours Internet. Vous commencez par dire que tout ce qui peut passer dans le pays aujourd'hui, c'était prévisible. Tout du monde, tu peux connaître pour arriver comme ça une affaire aussi grave que ça. Et depuis des ans, tu peux expliquer du monde beaucoup d'affaires. Mais quand nous arrivons aujourd'hui, c'est mon camarade Ndali avant moi, c'est l'incompétence totale, c'est la médiocrité dans la façon de gérer, c'est surtout mon abus qui nous trouvait, mon abus. Et qu'un man ego surdimensionné de façon qui donne man explication, soit répondre man d'affaires, man mensonge, que je mentis, que ce soit au Parlement ou bien même dans man déclaration en man journaliste, que vous faites du monde croire que tout correct, travail peut faire. Et alors, travail peut faire, que le pays n'a pas aujourd'hui, priorité pas qu'on établir. Albert Cass de Man d'affaires qui finalement vit un grand éléphant blanc. Et aujourd'hui, les peuples peuvent souffrir. Les peuples peuvent dire où ils ne sont pas capables de continuer, ils n'arrivent à bout en termes où ils peuvent tout prix, où ils peuvent dire contexte international. Mais tout le monde connaît, dans la dernière vidéo qui me fait l'essence, mon pensée de tout mon camarade journaliste ici, il était. Mais puis l'essence, un an de cela, en avril, c'était 20 roupies. Maurice a acheté l'essence. Tu peux vendre le 48 roupies avec tout ce que je t'ai ajouté là-dedans. Acheter le 20 par le 48. Cette année-ci, là en avril, avec ce qui me passait au niveau international, puis qui a acheté une montée, effectivement, 1037 roupies. Sur le 20, 1037, si vous comprenez un an des là. Mais on peut vendre le 67. Du moins, on peut acheter à la course le 67 roupies. Et quand vous avez 50 roupies qui sont là-dedans, là, même si je fais dans la vidéo, je ne vais pas vous aller là, mais seulement il n'y a pas d'un but extraordinaire. Vous mettez des roupies pour vaccin Covid, vous mettez une roupie pour Covid Solidarity Fund, et vous mettez sur TVA, l'eau, ça des roupies que vous mettez le vaccin Covid là. Mais du monde ne peut pas être aujourd'hui. Du monde ne peut pas comprendre ce qui peut arriver. Pendant les autres contributions, vous mettez le subside, après le côté où vous mettez le gaz pour 60 roupies, parce que 33% d'augmentation. Et après, là, on peut mettre TVA, l'eau, ça, contribution subside, là. Mais tout ça, manque d'affaires, là, me dire qu'il est capable de tirer ça, cette roupie-là. Là, là, le gouvernement, si on vit, tiens, il est capable de tirer ça, cette roupie-là. Mais je ne vais pas vous faire lire. Je ne vais pas vous faire lire, je ne vais pas vous faire lire. Moi, mon épée n'a aucune confiance qu'il se trouve. C'est à le soulage, population sous souffrance. Parce que c'est pas un arrogant, c'est pas un petit monde qui se pas. Mais donc, il est dame. Comment nous dire, on en met. Je peux laisser ce monde-là souffrir. Et je vais être casse. Nous connaissons comme les ministres qui voyagent à Dubaï, fait tout ça, dans là, là, on dit là, il y a un ministre qui voyage en cours. Moi-même, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Premier ministre n'est pas dans le pays. Un premier ministre pas dans le pays, il fait augmenter. Parce que moi, je ne sais pas, tu connais. Il gagne pour augmenter parce que je suis en troupie. Parce que moi, je ne sais pas, tu connais, il faut augmenter l'essence parce que c'est l'absence. Et vous posez la question, est-ce qu'il ne peut pas faire, faire ça par exprès, qui quand l'île n'est pas dans le pays, mais il y a une assise là-bas, les là, qui fait tout ça, man, il a monté de la manière qu'il est arrivé là. Pays, peut écraser, peut couler. Premier ministre là, pas là. Et à ce moment-là, quand vous avez ça, man, dimon qui l'a mis pour gérer dans ce l'absence là, mais c'est pas dimon qui va prendre une décision, man. Incompétent, dire ce qui est arrivé devant caserne centrale, jamais pas tu vas arriver comme ça. Nous tous, il n'a pas mal de journalistes, il est là,
tout le monde de Radio Plus, de Job FM, je ne pas faire, je ne pas nous en dire, je ne menace à aucun moment, qui que quoi, je te la vie en danger, qui est la foule qui peut venir, vous venez attaquer du monde, non, c'est faux, ça mais je tiens, j'ai une intention, intention palpable. Je me dis, là, je te fais des mannes qui libèrent ça, activiste qui n'a arrêté d'arrêt. Moi, mon besoin, député commissionnaire de police, pour dire que ça, situation-là, qui a dégénéré, mais nous faisons appel au bon sens. Même les policiers qui mettent du bout là-bas, mon cas, j'ai eu mon gars, ça craint le. Parce qu'ils m'ont trouvé qu'ils n'ont pas envie, comment dire, une confrontation, un problème. Quand nous mettons du bout là-bas, après la situation est dégénérée. Mais seulement, l'appel au bon sens, si vous avez ce qui m'a dit hier, c'était que ça. Et une décision qui s'est prise là. Prends sa petite là, amène-lui l'hôpital, laisse-lui gagner ce bon soin. Elle se la casse, elle dit, mais pas mal, il passe la cour, toujours pas un avocat, il finit de l'undertaking, il va amener la cour là. Qui affaires en plus ou gagner pour laisser dormir 5-6 heures dans le cachot et où elle prend le risque qu'arrive tout ce qui n'a rien. Quand on balance les risques d'une dégénération, ce qui n'est arrivé, dans la manière qui n'est arrivé, et qui, parquet ou une cassé, pour faire petit arrêt 5 ans, 6 ans, en zélien, mais si vous ne pas connaître qui vous, comment vous gérer, law and order, la police, ce duty, c'est to preserve law and order. Mais ça se fait dans beaucoup de façons. Pas dire c'est gaz lacrymogène, dans l'attaque du monde, dans tout ce qui peut arriver là. Mais l'instruction qui sont gagnées, sont gagnées. Moi, je peux tout ça dans l'Isier, ça va être un policier là-bas à Paris. Moi, je peux tout ça dans l'Isier, ça va être manifestant là. Personne n'a pas envie de la guerre sur Gamouane. Personne n'a pas envie de la guerre sur Gamouane. Mais somewhere, somehow, il y a du monde qui est bizarre. Accepter qu'il est fautif, qui s'en lance à du monde là. À qui la faute quand il est arrivé là. Et tout ce qui va arriver dans le pays d'abord tout. Là, si vous dites tout correct, là, si vous dites moi, puis, travail peut faire, tout bon. C'est ce que vous entendez quand vous demandez une déclaration sur le monde du gouvernement là. Alors, c'est un leader ou à l'opposition qui fait ainsi de tout ça. Ou là, dis-moi, tu peux là manger. Dis-moi, tu peux vivre. Dis-moi, tu peux crier au secours. Et que vous pouvez faire? Vous pouvez casser l'eau sur la misère. C'est ça que ce gouvernement a fait faire. Et c'est la raison qui fait obligatoirement, félicite le leader de l'opposition, qui dans les circonstances, bizarre, et même motion of no confidence contre le gouvernement et sa premier ministre, là, vous allez. Au fait, s'il y a une indécence, c'est qu'il vous dissoute l'Assemblée. Pour laisser les peuples passer, il y a ce qu'il vous fait choisir le gouvernement qui vous a, parce qu'il n'y a pas qu'à gérer, il n'y a pas qu'à manager, il en déo au contrôle. Dimoun finit montrer lui qui parlait, qu'il continue à se taire. Et après la situation, comment vous dire dans mon panneau vidéo, il n'est pas pour améliorer en ce qui concerne le prix pour continuer à monter. Là où il y a un problème de prix électricité, où il y a un problème de prix transport, où il y a encore les autres affaires qui vont arriver dimanche. La situation, pas pour améliorer. Et ça existe, on n'est que mettre tout l'eau les deux Covid, n'est que mettre tout l'eau les deux prix international, la guerre dans l'Ukraine. C'est pas toute la vérité. Et non, l'incompétence. Et non, une mauvaise décision qui peut prendre. PC, casque de pamisazité. Beaucoup gaspillage, beaucoup coquin, beaucoup scandale qui nous trouvait. Et c'est à cause de ça que tout le monde là, je vous dis, Libédiaou, assez. Mais seulement, bien sûr, nous tous patriotes, nous tous contents du pays, nous parler qu'il y a un problème dans le pays, nous parler que la situation est dégénérée, nous faire un appel local. Et comme mon camarade avant moi, il me dit, tout ça va nous dire, moi, qui émet un commentaire d'une façon communale au Facebook, etc., moi, je dis, je vais arrêter. Arrêter parce que c'est ce que je peux faire. Je peux faire un entorse bien, bien grave pour le pays, façon qui nous faisait vivre dans ce pays-là. Nous tous, nous Borisiens, avant tout. Et nous comptons, nous prochains. Et nous sommes capables de vivre en harmonie, vivre comme une nation soudée qui pourra relever tout le défi qui est notre fond. Et nous pourrons relever ce défi-là. Mais premier, il arrive pour travailler dans la et que son gouvernement lève son patrie. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est tout. Alors, c'est le contenu avec Chalamoukou, avec l'individuel pour travailler. En tant que chef de file, pardon. Mais mon projet n'a pas de Monsieur Duval, vous pouvez demander une session spéciale pour ça, pour débattre sa motion, parce que ça pas vous passer, il est 2h du matin. C'est ça le grand problème, c'est ça qui le fait exprès pour passer quand on est à 3h du matin. Et ça, il va malheureusement dans nos capacités pour contrôler quand il vient et qui joue il vient. Mais vous pensez, vous pouvez même un bon warning que si vous continuez à bafouer la démocratie, si vous continuez à faire la démocratie parlementaire, si vous continuez renvoyer l'élection municipale et vous empêche du monde de manifester pacifiquement, il vous a un plus bel problème plus vivant. Donc, il est clair pour moi que je suis pour bien aviser un médecin rapidement et laisse la vérité sortir dans le parlement. Il faut mettre en garde, même si il est bizarre. C'est pas mettre en garde, c'est montrer qu'il y a l'écoute, prendre l'action qui est nécessaire. C'est pas répression qui est bizarre là. Si vous ne parlez pas de la répression, ça peut demander l'aide. L'aide budgétaire, l'aide pour vivre comment tu peux vivre avant. Capable de remplir de ventre, nous, de famille, soit les autres enfants, les autres enfants, les autres papas. Si vous ne pouvez pas demander l'aide, et quand vous demandez l'aide, vous parlez de répression, vous besoin avant tout montrer qui vous sympathise avec du monde et qui vous connaît quel problème là était. Ne pas faire comme parler à ti, répondre-nous quelle situation 14 ans c'est là tu étais, ou bien je ne sais pas quelle année tu étais, foutre des opérations, non, vous reçu de dire. Mais est-ce que je suis attendu d'une réaction aussi du public avec augmentation de gaz, un jour et lendemain l'essence, je suis attendu à ce genre de réaction là hein? Moi personnellement, je suis connecté le plaisir avec du feu. Et qui dit ça, on est un peu sûr qu'il va arriver dans le pays, nous penser dans le cas, et nous avec raison, beaucoup moins de commentateurs mauriciens, et nous comprendre, nous risque directement avec ce langage. C'est là qu'il va arriver. Et dans un niveau, un seuil qui dit de tolérance, et sa manière qui dit met ça des augmentations là partout. Là. Avec toute mon augmentation qui déjà est là et toute mon augmentation qui peut annoncer, et tu arrives à un moment que tu veux même dire, infini, n'est plus capable de supporter. Et ce que le Premier ministre a besoin de faire, c'est de donner un discours pour rassurer, pour montrer une compréhension, pour amener un soulagement, tu peux attendre un soulagement et une mesure concrète à ce terrain-là. D'abord, qui mesure plus urgente qu'on va introduire là, tout de suite? Si vous répondez ça, nous, deux semaines de cela, je demande un mini-budget de balayage bien simple, qui beaucoup pays viennent faire. Un genre de un bouclier contre une augmentation et un aide directe aux plus démunis, mais pas d'arrêt pour bien. Là, je demande un supermarché voucher, je demande descendre, tu vas vite et pas pensionner avec situation. Et franchement, vous êtes ça salaire minimum aussi, tout cela est absolument nécessaire, pas pour enrichir du monde, enrichir, mais pour rétablir votre famille dans la situation que vous étiez avant sa augmentation plus tard. Donc, une mesure concrète existe, mais il t'avait pas tout là, ici là. Parce que tout le monde rappelle, il dit à gouvernement, mais qu'est-ce que je peux proposer au cas mes autres pouvoirs du jour au lendemain? Qu'est-ce que je peux proposer pour que la situation décante? Parce que, ouais, M. Badin, il dit à l'augmentation là pour vous continuer à augmenter même jusqu'à ce que la guerre continue ou d'autres événements viennent. Comment M. Badin dit oui et non à une contribution du fait qu'il finit la guerre en Ukraine, qu'il y a un Covid, tout ça, et non ça. Mais il y a aussi le fait que la roupie vient dépréciée de 20 à 25% depuis 2 ans seulement et que le gouvernement ne croise des bras. Et dans le fait aussi que les médicaments ont augmenté, doublé ces derniers temps, le gouvernement croise des bras. Et dans le fait qu'il y a un gaspillage énorme, et une corruption sans fin, et un jugement exécutif sans fin, et une mauvaise priorité, il vient annoncer tous les autres bâtiments. Nouveaux bâtiments, il construit nouveaux bâtiments, c'est du monde pour moi aussi. Et là, une mauvaise priorité, et là, comment Rossi finit dire aussi, une médiocrité, qui ça, une seule de tolérance, on parle qu'on a deux, excusez, une seule de tolérance.
trouve normal qu'il... Une grande titeuse, c'était la réalité de la population. Maurice Pacozou, qui était là, sans une politique de vérité, un gouvernement qui pratique une politique de vérité, un gouvernement qui pratique la compétence. Solution, il y a un paquet. Il y a un paquet qui est pas mal trouvé aussi maintenant, et qui peut être trouvé maintenant, demain, après-demain. Il nous a dit la vérité à la population, avec fouillant de la population, avec gaspiller l'incompétence. Mais franchement, aujourd'hui, Bizet, tout le monde réalisé, sans changement de gouvernement, ça peut être la fois de finir. Mais ça, la une arrivée, c'est dramatique et dangereux. Mais si PNA a un délai le plus court possible, en respectant la Constitution, en respectant la loi, si PNA a un nouveau gouvernement qui pratique une politique de vérité et qui pratique la compétence, solution PNA, gouvernement PNA. Le service qui prend l'essence, il calcule le tour 43 ou puis quelque chose, 75 ou 20 dollars, 30 ou 50. Mais dire la banque de Maurice, il vend 20 dollars, pourquoi le 42 ou puis quelque chose, puis quel est le rôle? Il y a énormément de raisons qui font prix d'essence exagéré à Maurice. Mais moi, je me compare. Et premièrement, à Maurice ici, prix d'essence, elle n'a plus cher qu'il y a. Mais si nous étions en relation avec le revenu mauricien, revenu des ménages, nous passerions comme mondial. En termes de ratio, coût de l'essence, la nuit de l'essence et salaire ban mauricien, nous n'aurions comme mondial. Pour les mauvaises raisons, Maurice n'aurait comme mondial, mais vous étonnez que la population en connaît. Avec raison, Jean-Marc rappelle-nous qui, là, quelques jours de cela, en contradiction totale avec le ministre des Finances, la veille, il nous jette des milliards. Mais la paix, vous encore. Hier, yeah. Vous avez encore. Et nous, tu prévois ça, nous, tu dis ça. Tu dis, bon, pour avoir les mêmes dollars, inévitablement, dollars qu'on apprécie par rapport à la roupie. Il t'encourage ça. Mais plus profondément, elle manque quelque chose de bien pour autant de par le monde. C'est une vraie la banque centrale indépendante jusqu'à ça que tout touché. Et pas pour l'améliorer. Pour maintenir en bas de la cuisine, en bas de Prime Minister's Office complètement. Elle manque plus grave quelque chose qui se dit. Je dis, n'est plus rien à la banque de Maurice aujourd'hui. D'où est la banque de Maurice? Mais quoi, FMI? La Banque mondiale, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tout un pays qui n'est pas trouvé ça. Un bas droit pays quand il littéralement écrase, touille la Banque de Maurice. Des blés dans la Banque de Maurice. Mais alors, résultat, un jour vous êtes en milliards, ah, vous êtes en cours, vous êtes en cours, mais des blés là vous êtes. Et là vous êtes zut. Docteur Vizis, de toute cette nouvelle, vous faites gagner l'information qui l'activiste d'Arène, qui gagne Bail, qui gagne Kosovo, une sortie. Alors, nous revenons au point qui fait dans les plus travailleurs. La police est bien capable, hier soir, quand il finit de tout ce bank statement, et il y a un manchot qui est bizarre à l'hôpital, les ciels sur la case passent devant la cour aujourd'hui, et effectivement, nous avons trouvé le magistrat de l'hôpital. Mais tout ça va arriver juste à cause d'une envie gardée pour quelques heures en détention pénurie. Et on va montrer qu'il y a de la force. Mais d'une cause ça au niveau de l'espoir, je pensais que tout camarade est sur la même longueur d'onde, mon camarade dire ça. Nous, pour abolir sa histoire provisionnelle, George, ça même la source de tout ça va malheur qui vous peut trouver là. Et dans tout un pays développé, où il y a la loi, police and criminal evidence act, sa système provisionnel charge là, mais servi pour un abus. Et qu'est-ce là? Vous trouvez qu'hier, tout ça problème est levé là. C'est parce qu'il met ça du bon là en détention. Je ne sais pas si hier, mais on nous a fait plein de manières. Alcatraz, hier, pour d'arène, mais pas payer plein de manières le cas de Nazim. Pas payer à avoir quoi? Comment servi sa système charge provisoire là, juste pour. Faire du monde, repère, faire du monde, persécuter du monde, punir du monde. Mais on n'est pas là pour punir, la police n'est pas là pour punir.
C'est la cour qui décide. Si pas un dimoun mérite une punition, et pas oublier qu'il donne le système, ça dimoun là, tout le temps, il vous reste innocent jusqu'à qu'il y trouve prouvé coupable ou il plaide coupable dans une cour de justice. Mais tout ce qui est arrivé là, c'est un abus d'un système. C'est la raison qui fait me dire tout le temps qu'il nous bise sans système là. Et nous poussons en vie. Système sans provisoire, l'espoir, je peux être un camarade ici d'accord, qui nous prend l'engagement qui nous voit boli système sans provisoire et que ça va n'a plus injustice qui est là. Merci. Peut-être une question pour le déranger avec M. Oshibada. Tu parles pas du tout dans sa constitution de l'ordre pour le déranger pour le numéro 20. Pourquoi déjà faire du tout? Coïncidence, il y a même maintenant un. On va commencer à obligé, donc pour 50 Djimoun, et ça aussi Djimoun, Djimoun en colère, non. On va pas y aller vite, moi. Mais malheureusement, pour moi, je peux imposer sa limite 50 Djimoun là. Mais il y a même aussi dans ma circonscription. Dans le contact permanent, pas juste moi, je connais des autres dirigeants de l'espoir aussi. Dans le contact permanent. Vous pouvez vous rester dans le numéro 20. Quand vous êtes venu dans matin, la boutique la même, comme ça, Djimoun là. Merci beaucoup et bon week-end.